My music is smooth, but revolutionary. Smooth so that the people have time to get ready. Smooth, but revolutionary. Revolutionary like Che Guevara used to be. Yeah, c'est Rod Anton pour Astro TV. Keep linked. Boom! There's nothing for me on Channel 1. On the second, on the third, same things are wrong. C'est un peu spécial pour moi de me retrouver ici pour la sortie de ce deuxième album, puisque là maintenant je suis tourangeau, mais pendant très longtemps j'ai fait mes armes ici, notamment à Radio Campus, où tu sévissais avec l'ami Nardo et le Smile Jamaica à l'époque. Donc c'est très cool, bonne soirée en perspective. En 2009, début 2009, il y a un de mes amis musiciens de Tours, un de mes amis chanteurs qui s'appelle TSR, à qui je passe un big up ce soir d'ailleurs, qui m'a invité à une soirée là-bas, et en fait il était backé pendant cette soirée par les Ligerians. Moi je devais jouer en sound system avec un selecta qui n'est jamais venu en fait, donc on n'avait pas de platine. Les ICO se sont proposés, une fois que j'étais sur place, de m'improviser les instrus que moi j'avais amenés sur CD. Et puis voilà, la soirée s'est super bien passée. Et mutuellement, à la fin de la soirée, on a décidé de commencer à travailler ensemble. Là on est sur le nouvel album Wevolution, après un premier album qui a recueilli quand même un beau succès dans la presse spécialisée notamment. Voilà, qu'est-ce que tu dirais des orientations de Wevolution? On est dans la même lignée ou... Nous le roots qu'on kiffe, c'est ce roots un peu épuré, un peu trans même je dirais. Donc on reste dans la même veine au niveau musical, après au niveau des arrangements et au niveau du son. Bah c'est normal, il y a 2 ans entre les 2 albums, donc il y a vraiment une certaine évolution, on la sent je pense quand on écoute l'album. Il y a une touche un peu plus moderne sur le son, c'est-à-dire qu'on reste très roots, mais ouais, au niveau sonore c'est un poil moins 70s, on fait des arrangements un petit peu plus pointus, les textes sont un peu plus travaillés aussi, et au niveau de la thématique, j'avais déjà commencé sur Reasonin' avec 1 ou 2 morceaux à me rapprocher du thème de l'écologie. Mais là, du coup, cet album-là, la thématique principale de l'album tourne autour de l'écologie, des problèmes environnementaux, de tout ce qui est lié à ça. Up individualism shall fall down. No more senseless waste of water, no more murderous pollution. L'album Wevolution, vous avez signé sur un label plutôt réputé de jazz, c'est ça? Comment ça s'est passé, voilà, comment ça se passe ces choses-là? C'est plutôt surprenant quand on lit ça, quand on le de l'extérieur. Comment tu pourrais nous l'expliquer? Écoute, le label, c'est un label plutôt intéressant qui d'habitude est, comme tu le dis, sur du jazz ou du classique. Et là, ils avaient envie de s'ouvrir en musique actuelle. Et puis, à travers des contacts en commun à Paris, voilà, ils se sont approchés de nous et on a décidé de de jouer cette collaboration, ce qui est plutôt intéressant pour nous. Ça va nous ouvrir les portes peut-être de festivals qui sont un petit peu plus éclectiques que ceux dans lesquels on a joué jusqu'à présent. Quand on parle de Rodenton and the Nigerians, on parle du renouveau roots, comme tu disais, du son 70s, chose qui n'est pas beaucoup en France. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être un peu le représentant de cette lignée, alors que les Français ont toujours aimé le roots, quoi. Mais finalement, dans les nouvelles formations, tout ça, ça tire plus vers le dancehall, le raga, tout ça. Comment tu le ressens, toi? C'est une surprise, comment... C'est pas vraiment une surprise dans le sens où en fait nous on fait simplement la musique qu'on aime, on cherche pas, tu vois, à faire une musique différente, on cherche pas à plaire au public plus que ça, on fait d'abord la musique qu'on aime, après si on peut toucher un maximum de gens, bah, c'est génial, et puis voilà, donc non, être le fer de lance de cette scène deep roots, tu vois, comme on nous qualifie quelquefois, bah oui, ça peut faire plaisir. Mais c'est pas le but recherché en tout cas. Nous on fait vraiment la musique comme on l'entend, comme on la ressent. Yes, I am.